Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames, messieurs, très chers compatriotes, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Les génocides contre le peuple congolais, commis par le régime de M. Paul Kagame, et sans nul doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire. Après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation, plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés, violés, mutilés ou torturés, souvent de la manière la plus atroce. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même de nouveaux-nés, dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo se sont donné le devoir sacré de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et comment leur barbarie nous devient si quotidienne. Très chers compatriotes, par une légitime volonté populaire, la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Holocauste. Il en sera dorénavant ainsi. Balinga, Balingate. Tous les ans, depuis 5 ans,
En plus, nous commémorons un génocide du peuple congolais dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents. L'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dit pourtant en substance que le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie, les supplices, la barbarie, le meurtre des masses, les horreurs. Le génocide, c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un groupe, un peuple avec toute son histoire, sa culture, ses réalisations, sa langue, ses rites, ses traces et ses filiations. Comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les pains quotidiens des Congolais au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Très chers compatriotes, l'instauration populaire de cette journée de commémoration est non seulement une question d'audace patriotique, de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais, mais aussi et surtout, c'est pour manifester chaque année, infatigablement, notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli. Merci à toutes et à tous, y compris les compatriotes de la diaspora, qui ne pouvant être présents avec nous, nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté, que je sais largement partagée par les Congolais, d'ici et de partout ailleurs, de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer à endeuiller notre pays. Ne baissons pas les bras, très chers compatriotes. L'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire. À tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécutions et de brimades en tout genre parce qu'ils sont tout simplement congolais, je leur dis que c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie vous soumet, nous hante et nous torture matin, midi et soir. Aujourd'hui, au-delà des mots qui sont trop faibles au regard de ce que vous endurez tous les jours, nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté, la volonté de vous témoigner notre compassion, de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie, celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais impassable. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible et à jamais souveraine. Je vous remercie. Thank you.
Salima Kasi, sur les baptisés Plafoyo. Laissez-moi côté. Laissez-moi. 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 Patrico, Patrico, Bissot. Bissot, le petit compos à la bamboté. Salima Degona Bissot, Bakéi. Bakouni pour la Mboka. Patrico, il est beau pour la Mboka, la Bissot. Bissot, Tikali. Il faut que ça la marque. On doit accueillir pour la Mboka et la balkanité. Est-ce que le monde pour balkaniser Mboko et Azali? Est-ce que Azali? Est-ce que Tumbo et Azenoko, c'est ton premier outil? ONU, Bandeko Yo et International, va reconnaître le génocide du Congo. Les abonnés! Les abonnés! Le bisou des bateaux au Salamakasi au génocide voilà ils ont reconnu mondialement au Salam Sala Bandeko pour continuer au Yokani quand vous avez besoin d'un gai quand vous avez besoin d'un gai quand vous avez besoin d'un gai mais Congolais, nous, 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 toujours avec nous, Mission TV, le miroir du monde.